Alors, bonjour, bonsoir plutôt, c'est Elisabeth, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour l'instant, Cécile n'est toujours pas connectée. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Cécile est aux États-Unis. On attend qu'elle se connecte, évidemment, pour pouvoir commencer. Ah, eh bien voilà, Cécile. Bon, voilà. J'avais pas compris qu'il fallait cliquer sur le petit bouton. J'avais pas vu le petit bouton participer. Ok, super. Bon, bah écoute, Cécile, merci Oui. d'être présente avec nous. Donc, je rappelle aux personnes qui nous rejoignent, qui nous rejoignent petit à petit. Donc, on va passer, hein, bah, on verra peut-être 1 heure ou plus ensemble. Cécile a gentiment accepté de répondre à nos questions sur la candidose, sur le SIBO, et puis bah, peut-être un peu tout ce qui vous viendra. Tout ce qui vous passera par la tête et qui sera un petit peu en lien avec ces sujets. Je voulais vous faire un petit rappel sur la façon dont il faut poser les questions. Donc, en haut, sur votre gauche, vous avez donc un petit carré avec plein de petits carrés eux-mêmes à l'intérieur. Et quand vous cliquez dessus, vous avez une petite étiquette bleue qui vous signale que vous pouvez poser des questions. Donc, vous cliquez dessus et les questions s'afficheront sur mon écran. Et puis, je veux préciser aussi que malheureusement, depuis 3 jours, j'ai des problèmes de connexion ici à Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées. Donc, je croise les doigts pour que cette connexion ne s'interrompe pas. Si c'était le cas, malheureusement, on ne peut pas la reprendre. Une fois qu'elle est lancée, on ne peut pas reprendre les mêmes liens de connexion. Donc, malheureusement, ce serait perdu, ce qui serait bien dommage. Voilà, donc je vais mettre Cécile en plein écran, parce que quand même, vous êtes venu la voir. Hop, ici, j'arrête et moi, vous allez me voir également en bas, normalement. Ça finira bien par se faire. Voilà. Ah, bah voilà. Voilà, et moi je suis en bas. On y est toutes. Donc, si vous pouviez également peut-être, avec les questions, hein, me dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, ça nous permettra de voir si tout se passe bien. Et puis en attendant, bah, je vais peut-être laisser Cécile se présenter parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas bien qui vous êtes et votre parcours. Je m'appelle Cécile Heller, j'ai 50 ans, je vis sur la côte est des États-Unis.
En ce moment, là, il est 3h30 de l'après-midi ici. Ça fait 20 ans que j'ai quitté la France, enfin un peu plus de 20 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis aromathérapeute holistique. J'ai appris ça à Hong Kong grâce à une élève de Robert Tisserand qui est un petit peu le, voilà, le, l'emblème de l'aromathérapie holistique en Angleterre. J'ai eu la chance d'avoir pour professeur toutes les grandes figures de l'aromathérapie holistique britannique. C'est en Angleterre que l'aromathérapie holistique a son nid. Avec Gabrielle Mauger et Anon Lewis, Tisserand, des gens comme ça. Et donc, l'aromathérapie holistique se distingue de celle que vous connaissez en France du fait qu'elle prend en compte l'individu en son entier. En France, on fait beaucoup d'aromathérapie clinique, donc qu'on traite un peu comme un médicament topical. Hein, on va dire, voilà, on va vous faire… On va aller choisir des huiles essentielles antibactériennes ou antivirales pour des choses bien précises, etc. On ne va pas vraiment s'occuper de vos émotions, si vous voulez, ni de vos énergies. Il y a une autre aromathérapeute que j'admire beaucoup. Comment elle s'appelle déjà ? C'est Lydia Bosson qui fait ça en Suisse. Elle fait ça avec l'Ayurveda. Et moi, je fais ça avec la médecine chinoise. C'est-à-dire que j'utilise les grands principes de médecine chinoise, donc les histoires de méridiens et d'éléments. C'est comme ça qu'on a appris ça. Enfin, nous, à Hong Kong, on a eu des cours de shiatsu, on a eu des cours de nutrition, des cours de kinésiologie, des cours donc de diététique chinoise, donc avec d'herboristerie chinoise, des choses comme ça. Et donc, on a appris que les huiles essentielles avaient toutes des éléments, une action sur le yin et le yang. Elles pouvaient remplacer largement toute la pharmacopée chinoise classique pour agir justement sur ces déséquilibres qui font que vous avez plein d'enchaînements dans votre organisme qui vont entraîner des symptômes physiques et émotionnels. Et donc, tous les gens qui s'adressent à moi, ils passent par la case traitement des émotions pour traiter le physique et inversement. Donc, c'est cette action holistique qui fait que je suis obligée de prendre en considération ça et de plus en plus l'aspect même épigénétique et donc ADN et mémoire cellulaire, etc. C'est ce qui revient de plus en plus. J'ai la chance de suivre pas mal de conférences ici aux États-Unis de personnes qui, comme moi, sont des obsédés du ventre. On a tous compris à quel point c'était le ventre qui était la source de tout. Et on sait maintenant aussi, parce que bon là, ça c'est venu aussi parce que quand j'étais en Californie, je travaillais en Californie, j'ai quitté la Californie et ça va faire 2 ans. Je travaillais dans une clinique holistique où j'avais principalement que des autistes et des Asperger, des enfants qui étaient donc qui avaient des autismes ou des Asperger avec qui travailler. Et parce que justement, je travaillais sur le ventre et que les autistes et les Asperger, il faut travailler sur le ventre. Et donc, il faut travailler en même temps sur leurs émotions. Et j'ai appris beaucoup avec ces enfants-là et j'ai appris à quel point toutes ces manifestations-là étaient transmises par leurs parents. Enfin, à l'origine, il y avait l'état génétique des parents qui influençait tout ça. Et je continue à apprendre beaucoup sur le sujet aujourd'hui et je continue à vérifier qu'en fait, il n'y a pas que pour l'autisme et l'Asperger. Quand je vois des gens qui viennent me voir pour des problèmes de thyroïde, c'est la même chose. Pour des personnes qui font évidemment des candidoses chroniques, c'est clairement de toute façon lié aux parents. Quand je leur pose des questions, elles se rendent compte à quel point leur mère avait la même chose. Donc c'est très très intéressant de finalement aller vraiment à la racine des problèmes des gens et pas de leur donner l'illusion avec des médicaments qui vont leur enlever leurs symptômes que ça va bien alors qu'en fait non, ça ne va pas bien. Et entre-temps, j'ai passé un master en psychologie parce que je me rendais compte à quel point tout se passait dans la tête beaucoup. Et après, je me suis rendu compte que ce qui se passe dans la tête vient encore une fois du ventre.
Et c'est là que ça m'a beaucoup énervée de passer ce master parce que je me suis rendu compte que ce qu'on apprend aux psychologues, c'est rien du tout. En fait, ils savent rien, les pauvres psys. Et que si on leur apprenait un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur, je pense que ça les aiderait. Enfin, on donne pas beaucoup de moyens. Ben, les huiles essentielles sont un énorme moyen. Et sont un énorme moyen d'éviter de prendre un tas de médicaments qui entretiennent une toxicité qui va avoir un impact énorme sur la qualité, sur l'équilibre microbien de votre ventre. Et d'ailleurs, l'équilibre microbien de partout. Et c'est cet équilibre microbien qu'il faut s'efforcer de conquérir, voire de perpétuer pour garantir un équilibre général. Quand je dis général, j'insiste vraiment, donc physique et émotionnel à vie, quoi. Et c'est un effort quotidien, je dirais, parce qu'on vit aujourd'hui dans un environnement qui fait qu'il est challengé tout le temps à cause de ce qu'on vit, à cause de notre pollution environnementale, à cause de ce qu'on mange, etc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit pas mal de bouquins sur le sujet, parce que ça nécessite d'avoir beaucoup d'outils sous la main. Et depuis pas longtemps, j'ai créé une école d'aromathérapie holistique parce que j'ai de plus en plus de thérapeutes qui viennent me voir pour que je leur enseigne ça. Voilà, donc j'espère que ça va se généraliser un petit peu cette approche parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu limité, hein, ce sujet. Et je suis toujours ravie d'en parler à tous ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que chez nous, c'est vraiment très, très peu populaire dans le sens popularisé, c'est-à-dire que c'est vraiment une approche sur laquelle on n'a pas encore beaucoup d'outils, beaucoup d'informations, beaucoup de thérapeutes formés pour pouvoir effectivement envoyer nos patients, par exemple, ou nous former nous-mêmes si jamais on est intéressé. Ben oui, c'est bien pour ça que Acetis, la mutuelle avec qui je travaille, enfin, ils m'ont contacté pour me demander l'autorisation de. Enfin, pour me demander de participer avec eux à l'éducation d'un maximum de thérapeutes, parce qu'ils ont compris l'intérêt qu'il y avait à former les thérapeutes dans ce type d'approche, qui vraiment est très très efficace pour finalement à long terme donner du pouvoir aux gens. En fait, notre travail, c'est moi. J'ai juste reçu une lettre là, de naturopathe là il y a quelques minutes, qui me demandait en quoi Aromapro pouvait l'aider. Et je lui disais, voilà, elle peut vous aider à donner du pouvoir à vos patients parce qu'effectivement, on ne se contente pas de leur faire des choses ou de leur donner des choses. On leur apprend. On leur apprend à se gérer et on leur apprend à utiliser les outils incroyables que sont les huiles essentielles. Et alors justement, c'est vrai que nous, on vous connaît en France beaucoup par rapport au livre que vous avez écrit sur… J'en ai écrit 8, hein. On connaît beaucoup celui sur le candidat. Ouais. Donc c'est vrai que là on a beaucoup, on a des personnes qui se sont connectées ce soir et qui viennent certainement de du groupe sur le candidat albican. Donc c'est vrai que c'était un petit peu l'objet de ce soir, qu'ils puissent éventuellement vous poser des questions. Alors ce qui est intéressant, voilà, c'est très ce que vous nous expliquez un petit peu, quelle est votre approche de cette pathologie, et comment vous l'abordez, comment vous la comprenez, et qu'est-ce que les huiles essentielles, effectivement, peuvent nous apporter dans ce cadre-là. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout vient du ventre, hein, encore une fois. Et ce qui se passe, c'est que on parle beaucoup de microbiome et de choses comme ça, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut très peu pour déséquilibrer un microbiome. Donc, alors le microbiome, c'est l'ensemble de l'équilibre. Enfin, non, c'est le. J'ai ça en anglais, ça m'énerve. C'est le capital bactérien de vos gènes. Et donc, au niveau digestif, au niveau du système digestif, on a un capital bactérien qui est très, très fragile. En fait, il lui faut très peu de choses pour être complètement challengé comme ça tout le temps. Les émotions suffisent. Hein. Ce qu'on va manger, évidemment, notre niveau de stress, il y a beaucoup de choses. Dès tout ce qui peut faire chuter l'immunité, effectivement, rend fragile l'équilibre de ce microbiome.
Et qu'est-ce qui va provoquer cette dysbiose? Donc, dès qu'il y a déséquilibre de microbiome, il y a dysbiose. Une dysbiose, c'est quand il y a un déséquilibre entre la partie des bonnes bactéries et la partie des mauvaises bactéries, hein, parce qu'en fait, les bonnes bactéries sont là pour maintenir en respect les mauvaises bactéries. Et le candidat albicans, ça fait partie de ces mauvaises bactéries. Et on en a tous, hein, et on ne peut pas ne pas en avoir. Et donc, le truc, c'est de faire en sorte qu'on ait des bonnes bactéries qui soient suffisamment en bon état pour maintenir en respect les mauvaises, donc le candida albicans. Et le problème, c'est que dès qu'on fait une dysbiose, en général, on commence une candidose. Et chez les femmes, c'est particulièrement évident parce que nous, on est les premières proies de la candidose dans le sens où il suffit qu'on ait une variation hormonale. Et on est bourré de variations hormonales. Toute notre vie, on subit des variations hormonales. Donc, que ce soit à la puberté, que ce soit avant une maternité, au moment de la maternité, après la maternité, et au moment de la préménopause et de la ménopause, on y a droit. La prise de pilules, tout ça, c'est la meilleure façon de tomber dedans. Et j'ai un webinaire que j'aime beaucoup, enfin une présentation sur la protection vaginale de la femme, dans laquelle j'explique à quel point on peut être, la plupart du temps, on peut avoir une vaginite asymptomatique, qui est complètement liée au développement du candida, hein, il y a une base de candidose chronique là-dedans, et la plupart ne se rendent même pas compte qu'elles ont et une candidose chronique et une vaginite asymptomatique, et qui subissent un tas de trucs, qui sont complètement à plat en permanence, qui ne savent pas pourquoi elles sont irascibles, qu'elles emmerdent le monde, qu'elles savent pas se relever, elles sont pénibles, elles sont fatiguées tout le temps, elles ont toujours un tas de trucs qui clochent, mais elles n'ont pas nécessairement de symptômes locaux au niveau vaginal. Et bref, il y a énormément de choses que les femmes subissent sans savoir que c'est lié à de la candidose, parce qu'on ne leur en parle jamais, parce que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à la fac de médecine. Mmh. Voilà. Et donc, moi, je l'ai appris un peu à mes dépens parce que j'ai grandi avec ça. Ma mère l'avait, ma grand-mère l'avait. Vraiment. On avait donc une prédisposition génétique à avoir ça. On avait cette prédisposition héréditaire, je dirais même. Et si j'avais pas été à l'école d'aromathérapie et si j'avais pas servi de cobaye à ma prof de kinésio qui m'a mis devant la classe pour me dire bon, on va tester ces styles, on va voir ce qui ne va pas, machin, chez elle. Et j'étais en plein examen, je me rappelle à cette époque-là, on avait des examens vachement durs quand même. Et donc, j'étais dans un état. Et la plupart des filles qui se retrouvaient devant la classe à servir de cobaye pour tout le monde, en général, fondaient en larmes parce qu'en kinésiologie, surtout avec celle-là, je veux dire. Cette prof, j'ignorais, mais elle allait devenir ma directrice de clinique après. J'allais travailler pour elle et c'était un peu la gouroute de la kinésiologie et de la candidose sur Hong Kong, où il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Et à peine elle m'a touchée, tout de suite, elle a vu que j'avais un tas de trucs qui n'allaient pas. Et elle a mis le doigt en plein sur le candidat. Elle m'a dit, mais tu sais que tu en as partout, tu en es couverte des pieds à la tête. Ah, et alors ça veut dire quoi? Elle me dit, mais t'as pas ça, ça, ça. J'ai dit, si. Et elle m'a dit, bon, bah attends, alors on va tester ce que tu peux manger. Ce qui est bien, c'est qu'en kinésio, on peut exactement, au muscle response testing, on peut tester exactement combien de chaque aliment on peut consommer, etc. Enfin, bon. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, quand on avait une candidose, ça réduisait, c'était une peau de chagrin, quoi. Il n'y avait vraiment plus rien qui restait. Et c'est clair qu'à ce moment-là, je n'ai pas été suivre son régime. J'étais en plein examen. Rien que de l'idée de faire ça, ça me. Puis en plus, elle m'a juste balancé la liste de tout ce qu'il ne fallait plus que je touche. Et c'était ce que j'aimais le plus. Et sur ce quoi je survivais là en ce moment. C'est-à-dire. C'est en général le cas. C'est exactement le cas en général. Et il fallait d'abord que je termine mon examen d'anatomie pathologie, etc., pour pouvoir me taper ça après. Et j'ai mis très longtemps à me décider à faire ça. Et donc, j'en ai bavé encore pendant très longtemps. Il a fallu que j'ai des clientes qui avaient ça pour que je me dise, mais elles ont toutes la même chose que moi. Et à ce moment-là, il y a eu une très bonne copine qui m'a dit, elle était enceinte et elle est revenue de chez le naturo avec une liste, pareil, le naturo qui lui dit qu'elle était bourrée de candida, mais au maximum, et que si elle continuait avec ça, elle mettait en danger son bébé et sa grossesse, etc. Elle m'a dit, aide-moi, je ne vais jamais y arriver, tu as vu ce qu'il m'a donné de restrictions alimentaires. Et du coup,
C'est là que je lui ai dit, bon, écoute, je vais te donner quelques recettes. On va penser à des recettes. Je vais te faire des recettes. Et à force de lui faire des recettes, elle m'a écrit anti-candidat et nul. Voilà, ça a commencé comme ça. Est-ce que du coup, vous pourriez rappeler à ceux qui nous regardent le lien justement qu'il y a entre la candidose… Non, comment pardon, je n'ai pas répondu par rapport aux huiles essentielles, le lien avec les huiles essentielles. Donc, oui. Non, forcément, on y reviendra. Le lien qu'il y a entre la candidose et l'intolérance à certains aliments. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça ensemble? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à la base, il y a la toxicité. OK? Bon, il y a effectivement une prédisposition génétique, mais qu'est-ce qui va faire qu'une prédisposition génétique va se manifester? C'est la toxicité. Ici, on dit, d'ailleurs pour beaucoup, beaucoup de choses, hein, en règle générale, l'hérédité charge le fusil et la toxicité, l'environnement presse la gâchette. Okay? Donc, il y a la prédisposition, mais on peut ou pas l'avoir se manifester en fonction de l'environnement dans lequel on vit et en fonction de ce qu'on a respiré, bu, mangé, eu comme médicament, vaccin en général. Le vaccin est un gros déclencheur. C'est ce qui se passe en tout cas pour les autistes et les Asperger la plupart du temps. Et alors, ce qui se passe, c'est que la toxicité fait que on va, c'est ce qui va faire chuter l'immunité. Okay? Dès que l'immunité chute, automatiquement, le candidat s'éclate. Voilà. Dès que l'immunité chute, la flore intestinale faiblit. Et dès que la flore intestinale faiblit, ben, le candidat, il prend du poil de la bête et il se développe. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que le candidat albicans produit des déchets qui sont très toxiques. C'est des mycotoxines qui donc rajoutent un niveau de toxicité à l'organisme et qui endommagent la paroi des intestins. Agrandir les mailles du filet, parce que l'immunité qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va bombarder. Donc, il y a inflammation à ce moment-là. Et qui dit inflammation, autorisation, immunité, grosses molécules vont passer à chaque fois qu'on va manger quelque chose. Ça va être des grosses graines qui vont passer. Et on va se faire une réaction au blé. Ça veut dire que le corps va relâcher les nuits pour combattre ce truc-là. Ça va être quelque chose relié
de pâte, par exemple mais qui va entretenir des symptômes d'inflammation et qui va maintenir un immunité et donc monopoliser l'immunité et donc aider le candidat encore plus. Alors, Cécile, je vais faire une petite demande parce que je crois qu'il y a vraiment un écho qui est. Est-ce que vous auriez pas un casque par hasard ou des oreillettes Je peux. Ça va bien comme ça. Alors, allez-y. Non. Je peux aller chercher. Alors, attendez, j'ai des écouteurs quelque part. Je vais les chercher. Je sais où ils sont. Bon, ben voilà, petite pause. En attendant la pause, profitez-en pour poser peut-être vos questions. Hein, si vous voulez, si vous avez des questions très spécifiques. Je sais que sur le groupe Facebook, il y a toujours 50 000 questions qui sont posées. Donc là, c'est le moment de demander aussi l'avis de quelqu'un d'autre qui travaille vraiment sur le sujet. Depuis, vous l'avez entendu, hein, plus de 20 ans quasiment, et qui a vraiment une grande expérience à la fois sur ce qui se pratique en Asie et sur ce qui se pratique aux États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est un apport qui est vraiment intéressant. En tout cas, on a des amis. On a Kala qui est de Washington. Donc, bonjour Kala, bonjour Erika. Bientôt des formations en France. Ben, écoute, oui, je vais lui poser. La formation dont elle nous parlait, Cécile, c'est une formation qu'elle fait sur Internet. Donc, je vous donnerai les liens à la fin de la conférence. J'ai trouvé un... C'est mes gosses qui m'ont piqué mes écouteurs. Ouais, c'est ça, des fois... Je te sens bien, on m'aide. Et alors, on a Nicole de la Belgique. Là. Alors, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ah bah, du coup, Ah mince. Allô? Ah oui, parce qu'il faudrait que ce soit des écouteurs. Ah bah, du coup, j'en parle. On va chercher autre chose. Alors, Bon, mais bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bonsoir Cécile. Ouais, la réception là devient chaotique. Donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, Cécile est aux États-Unis, donc peut-être que ça vient un petit peu de là. Voilà. Les médecins. Voilà, ça devrait aller pas mal. Ça devrait marcher. Ça devrait aller bien. J'arrive à être désormais. Voilà. Autrement, de quoi pourrait venir l'écho? Peut-être que vous avez deux micros. Ça marche là? Oui, là ça marche. Allez-y. Ben voilà. Est-ce que ça marche? Ah ben super. Voilà, c'est nickel. Bon, voilà. On a trouvé. Donc du coup, Cécile, voilà. Donc vous nous expliquiez effectivement le lien qu'il y a entre intolérance alimentaire et candidose. Sensibilité alimentaire. Parce que les intolérances, c'est pas les mêmes réactions. La tolérance, c'est chimique. La sensibilité alimentaire, c'est immunitaire. Exactement. Donc, tolérance, par exemple, c'est une réaction au lactose. Il suffit qu'on vous donne des enzymes. Donc, vous n'ayez plus de réaction.
D'accord. Ce serait bon, bien plus facile pour les sensibilités alimentaires, mais ce n'est pas le cas. Bon, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il a toujours de l'écho. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas deux micros qui sont toujours de l'écho? Ouais, on nous dit qu'il y a toujours de l'écho. Moi, j'ai du mal. Je m'entends deux fois. Regarde, quand sur l'écran de Hangout, faites pivoter un petit peu votre flèche de manière à activer une petite barre d'outils qui est au-dessus de l'image. Et là, il faudrait cliquer sur désactiver le micro. Est-ce qu'il y a une barre là-dessus? Ok. Micro. Ok. Et okay. Alors, bon, là, il y a toujours de l'écho ou pas? Moi, j'en entends. Et vous, les amis, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est... Et l'écho vient de chez Cécile ou même chez moi? Là, on a besoin de vos retours parce que sinon, on sait pas. Moi, je n'entends pas l'écho, en fait. Donc, je n'entends rien du tout. Bon, le temps qu'ils répondent. On ne comprend rien, écho, c'est mieux. Alors, c'est mieux, bon. Oh, mes pauvres petits, j'aurais cassé les Mais au début c'était nickel, hein. Au début, la réception était... Bah oui, c'est pour ça, je pense que c'est une autre chose. Hein. Et il y a un écho qui est apparu en cours de route. C'est uniquement quand vous parlez, Cécile. C'est uniquement chez vous, l'écho. Ouais, je sais, j'ai vu. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben là, j'ai pas trop de solutions, malheureusement. Et du coup, c'est complètement inaudible ce que vous dit Cécile? Vous pouviez me répondre, vous êtes obligé de répondre par écrit, donc évidemment c'est un petit peu plus long que quand moi je parle. Alors, c'est quand Cécile parle, avez-vous tous les deux des écouteurs? Me dit Raphaël. Non, moi j'ai un micro. Moi j'ai un micro comme ça pro, donc du coup je pense que c'est ça qui chez moi fait qu'il n'y a pas d'écho. Moi j'ai un micro, ça ne changeait rien. Et ça ne changeait rien, non. Dès qu'elle parle, l'écho est présent. Alors là, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir deux systèmes de micro qui se télescopent chez vous. Ben oui, mais j'ai plus aucun micro. Ouais, puis le micro de l'ordinateur. Oh, puis alors moi, je suis pas du tout. Mais j'ai jamais eu ça. Jusqu'à présent. Oui, hélas, perdu un bon moment de la conférence, c'est devenu tout à fait inaudible. Et maintenant, ce que dit Elisabeth l'est également. Ah bah alors, comme ça. Ah bah oui, donc ça fait pas de ma faute. Oh bah ça c'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors après, Cécile. Alors, on va reprendre, puis on va voir si vraiment ça devient insupportable ou pas. Ouais. Et Sinon, si vous voulez, moi je peux. Mais votre son sort sur vos enceintes. Si oui, ça va dans votre micro. C'est pourquoi on entendrait deux fois Cécile. Ah, mais j'ai pas d'enceinte. Ça sort sur vos enceintes. Mais non, mais ce que je peux faire, sinon, vite fait, vous mettre sur votre webinaire. J'ai jamais eu d'écho sur votre webinaire. Je peux vite ouvrir le site, sur votre webinaire, et vous donner le lien sur votre webinaire. Ben écoute, c'est possible. Par contre, du coup, on va perdre le bénéfice du replay. Ah ben, je peux l'enregistrer. D'accord, ok. Et puis comme ça, après, on essaiera hein de... Hein, ça s'enregistre pareil. Je peux vite ouvrir une salle sur votre webinaire et je vous l'envoie et vous pouvez faire passer la personne qui est là. Comme ça, il n'y aura pas d'écran. Alors, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on... pour nous donner 10 minutes pour changer de... changer d'environnement.
Moi, il me faudra une dizaine de minutes le temps de vous renvoyer un message à tous. Voilà, c'est archi rapide. Hein. Je peux faire ça là, dans les 5 minutes, maxi. Ça, je peux... Bah, allez-y, commencez, Cécile, on se garde en ligne. Et puis, moi, de mon côté, je commence aussi à créer un message pour tout le monde. Il est prêt, là. Il est 25. Il est quelle heure chez vous, déjà? 16h. Je vais le mettre pour dans un quart d'heure, dans un quart d'heure, maxi. Je vais dans 5 minutes. Voilà. Voilà. Oui, parce que moi, je vais le créer vite aussi, mon message. Voilà. Je vais le mettre dans 5 minutes. Je vais du message. Changement de salle. Donc, par contre, il faut que vous alliez sur vos adresses mail. C'est sur les adresses mail que... Je peux te les mettre à l'heure. Il est quelle heure chez vous là-bas? 21h04 maintenant. Ok, bah, je vais mettre ça comme ça. Mettre leur local, Voilà. Alors, bon, moi, il ne faut pas que je fasse comme ça parce qu'il ne veut pas vouloir me mettre. Alors. Alors, je l'ai envoyé. Nouvelle adresse, hop. Alors, le lien, ok, tac. Donc, on fait ça en direct, hein. Vous vivez vraiment le truc en même temps que nous. Et on a fait une conférence il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, avec Howard Gerson, et on n'a eu aucun problème de... Bon, je vais me mettre, retrouver. Allez-y. Comme ça, vous pouvez vous mettre dessus. Horaire de départ. Hop. Enregistrement. Enregistré. Voilà. Bon, ben moi, je viens de vous envoyer un mail. Donc, le temps que ma boîte automatique vous envoie tout ça, d'ici 5 minutes à peu près. Hein, même pas dans les 2 minutes qui vont suivre, vous devriez recevoir le mail. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre dans un nouvel environnement, mais alors pour le coup, il y aura pas de... Ah bah si, elle a dit qu'elle allait l'enregistrer. Donc bon, désolée, je vais couper donc cette diffusion. Moi, par contre, je suis intéressée, si vous êtes toujours là, de me dire s'il y a toujours de l'écho quand je suis toute seule à parler, pour le coup. Je serais curieuse quand même de savoir si ça vient de chez moi, de chez Cécile ou des deux en même temps. Racontez-moi. Vous êtes peut-être déjà partis. Hein, je vois que vous êtes encore 20 normalement. Une vingtaine encore... présent? Non, impec. Pas d'écho quand vous parlez. Ouais, ben voilà. Je crois que ça vient vraiment de la station de Cécile, et je pense que cette histoire d'enceinte là, à mon avis, c'est ça, à mon avis, la bonne piste. Bon, j'en profite juste avant que vous quittiez, parce que du coup, j'avais fait une petite présentation pour la fin. Parce que du coup, je vais vous proposer, parce que
comme c'est sympa ces petites conférences. Voilà, la semaine prochaine, on a Laura qui sera avec nous en direct et qui nous parlera de son combat, comment j'ai vaincu l'arthrose. Donc, je pense que vous êtes nombreux ici à la connaître et à suivre un petit peu son parcours. Donc, vraiment, je suis ravie qu'elle ait réussi, qu'elle ait accepté de participer à cette petite aventure aussi d'interview comme ça en direct. Donc, voilà, juste pour vous dire que la semaine prochaine, on a rendez-vous avec Laura. Bon, je communiquerai dessus, bien évidemment, cette semaine. Mais comme ça, vous le savez déjà. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. J'arrête la diffusion et on repart chez Cécile. À tout de suite.